Débutée le 13 août dernier, la 4e édition de l'opération Vacances au Père pour la paix, organisée par la MINUSCA, a eu lieu le 28 août à l'école Gbaya Dombia, dans le 3e arrondissement de Bangui. Vacances pour la paix également, c'est-à-dire c'est très très bien parce que ça fait partie de la réconciliation. Au 3e arrondissement, il y a des musulmans et des chrétiens qui sont là. Même si vous mettez votre caméra de l'autre côté, il y a nos frères également chrétiens qui sont là, qu'on est en train de faire, c'est-à-dire Vacances pour la paix là, ensemble avec eux. Vacances en paix pour la paix s'inscrivent cette année dans le cadre de la vulgarisation de l'accord politique pour la paix et la réconciliation et des valeurs de paix auprès des jeunes. Elle vise à améliorer la compréhension et l'appropriation de l'accord de paix. Je suis venu participer à l'activité Vacances en paix pour la paix. J'ai récité un poème. Il y a plusieurs jeux au choix. Je voudrais dire à tous les enfants de cesser de s'amuser avec le couteau. L'usage d'un couteau par un enfant n'est pas bien. Nous voulons la paix. Vacances en paix pour la paix vise les jeunes lycéens, les jeunes associés aux groupes armés et les artistes. Je suis venu m'amuser. Je suis très content parce que j'ai participé au jeu concours et j'ai resté un poème. Je demande à tous les enfants de rester dans la paix et d'aller à l'école. Les participants aux divers concours de vacances paix pour la paix ont reçu des kits scolaires.